Salut. Tu pourrais être plus enthousiaste, hein, s'il te plaît, ma chère Aurigan. Bon. Salut. Allez, dis salut, dis salut, allez, dis salut bien, allez. Salut. Bah voilà, que tu vois quand tu veux. Bon, salut les petits loups, les petites loups, les petits loukoums et les petites loukoumettes. C'est Starcade qui saute dans tous les sens. Ce qui oui, est ça, il saute, hein. Ouais, donc, avec l'érudit Jedi d'Erdre, et nous avons ici Aurigan qui joue. Une quoi? Vas-y, dis. Bah ça se voit pas, une ombre Jedi. Ouais, mais ça se voit pas comme ça, hein. Il faut regarder de plus près, hein. Et là, ça se voit? Ah d'accord, bah ça se voit plus du tout d'ailleurs maintenant. Ah. Donc nous vous proposons de faire à deux plus compagnons les deux ZL, en fait l'histoire du Jedi dit prisonnier. Donc qui est une série d'aventures, une série de zones litigieuses qui couvre 4 zones litigieuses, 2 du côté République et 2 du côté Empire. Donc voilà. Et la quête se prend, enfin la mission, j'ai dit la quête, quelle horreur! J'ai disparu. Oui, on voit ça, oui, tu as disparu. Mais où es-tu? Mais attends, mais qu'est-ce que je sens sur mes fesses? Je ne sais pas. Zénith, pose ce fusil. C'est marrant parce qu'ils te mettent, enfin ils nous mettent quand même transparent, sauf nos armes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu. Donc dans les combats, enfin dans l'infiltration, c'est regardez les armes qui passent. Ouais, c'est super bien fait. Enfin bon. Bref. Donc alors, on va prendre la première mission, en fait la première ZL, on la prend ici. Enfin, en tout cas les deux premières ZL, l'histoire se prend ici à ce droïde. Donc nous allons demander à MP77 pourquoi il a besoin de nous. Là. Oh, Edagora a accepté. Oh, c'est beau. Je suis très honoré, maître d'Agora, enfin maîtresse d'Agora, de votre présence. Oh, c'est trop d'honneur. Scan des traits du visage du groupe et recherche dans le fichier d'identité. Veuillez ne pas bouger pendant le processus. Identité confirmée. Vous figurez tous dans la liste des agents autorisés du haut commandement de la République. Ouverture d'un holocanal avec le maître Jedi Oteg, amiral de la flotte de la République. Un instant. Canal ouvert. Bonjour. Je m'appelle Oteg. Je suis au service de l'ordre Jedi et je dirige la première flotte expéditionnaire de la République. J'ai besoin de votre aide. On est là, hein. Oui. C'est un amiral, ça? Moi, je suis un amiral honoraire, mais lui... J'ignorais qu'on pouvait être un amiral et un maître Jedi en même temps. J'ai eu beaucoup de titres dans ma vie. Je préfère qu'on m'appelle Oteg. C'est plus court. J'ai reçu des informations selon lesquelles l'Empire a une prison secrète dans la nébuleuse Maelstrom. C'est une région dangereuse. Sa traversée est très risquée. Un prisonnier Jedi détenant des informations vitales y est retenu. J'ai besoin de votre aide pour traverser la nébuleuse Maelstrom et le libérer. Vous êtes dangereux, ça, non? Mais ce n'est pas le danger qui va nous arrêter, chère maîtresse Nagora. Mm-hmm. J'adore cette dernière réponse, ça va vous coûter cher. Vous pouvez me donner tous les détails en personne. Donnez-moi vos coordonnées, je vous rejoins. Je suis à bord du vaisseau de commandement de la première flotte expéditionnaire, le cuirassé Telos. Je vous envoie les coordonnées. Tâchez de les garder pour vous. Terminé. Et voilà, donc j'ai oublié de préciser quand même, on le fait en mode difficile, hein, pas en mode normal. Alors, il faut aller sur le Telos. J'ai peur. T'as peur? Ouais, je sais. Ah oui, d'un coup là tu me dis c'est en mode difficile, alors du coup j'ai peur. D'accord, bon, il faut aller sur le Telos, donc soit on y va par le transport interflotte, soit en direct, comme on veut. Ah non. Je sais même pas si c'est par là, je pense que c'est là. Ouais. Ah oui, transport interflotte. Hop là. Le Telos se trouve donc au niveau de la flotte de la République, pour ceux qui ne savent pas. Et on comme y va. Moi
Bah si tu le sais, voyons, ça fait quand même... Combien de temps tu joues? Attends, un an et demi quelque? C'est encore une noob. Oh la vache, on a des... Un certain temps. Ouais. On a des, comment dire, des arrière-trains assez conséquents, hein, tous les deux. De quoi tu parles? Bah voilà, je regarde, là, les deux personnages, ils ont des arrière-trains assez conséquents. C'est le... Je vois pas de quoi tu parles. C'est le quatrième corps, en fait, proposé, en fait, qui est sur le dernier corps proposé, qui est un peu enveloppé, on va dire. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Oui, c'est des muscles fessiers assez imposants, on va dire. Bien sûr. Ça, force tout à fait. Ça c'est l'entraînement, c'est la force. La force se concentre, la force se concentre dans le fessier et Oui, oui, exactement. Ah, c'est trop fort. Bon. Ce qu'il faut pas entendre. Pardon, excusez-le. Mais j'aime bien regarder les fessiers pleins de force. C'est pas de sa faute. Hein. Qui évolue. Alors, donc on va sur le Telos. Mais t'es une... T'es quoi là? T'arrêtes pas de sauter, t'es une... Une sauterelle. Un kangourou ou quoi? Kangourou et sauterelle, les deux, c'est ça, c'est un croisement. Oh bah d'accord. Aussi nombreux que les sauterelles et aussi bondissants qu'un kangourou. Ce qu'il faut pas entendre. Il faut aller voir Maître Trek, mais où? Bah oui, c'est en face. Salle de situation. Je te suis. T'as intérêt à me suivre. Enfin, je le suis, mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que vu son sens d'orientation. Ouais, là j'ai trouvé quand même, hein. Alors on va pas non plus dire des mauvaises choses. Ah bah oui, c'est bizarre. Tu dis du mal de moi, c'est pas bien. Allez, ah non, je dis pas du mal, je constate, c'est tout. Maître Oteg, où est-il? Ah, il est là. Oh, il est trop mimi. Ouais, on dirait une bonne petite peluche pour petite fille encore. Avec ses petites oreilles et tout, oh, c'est trop. Ouais, ouais, c'est un maître Jedi, ça. Eh ben, dis donc. Bah quoi? Je dis rien, moi. Bienvenue, mes amis. Vous êtes encore plus impressionnant en personne. Pardonnez-moi de ne pas vous serrer la main, mais j'ai oublié mon aérochaise aujourd'hui. Avant de commencer, je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire, l'esprit ouvert. La source de mes informations est... inhabituelle. Qu'est-ce que veut dire par inhabituel ? J'en ai absolument aucune idée, ou alors peut-être que c'est la force qui lui parle, je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce n'est pas une opération militaire comme les autres. Vos instincts sont l'une des nombreuses raisons qui expliquent que vous ayez été choisi pour cette mission. Je vous dirai à tous ce que j'ai vu. Venez, rapprochez-vous. Ouais, pas trop près. Concentrez-vous avec moi. Concentrez votre esprit. Sentez la force qui nous entoure. Écoutez-la résonner. Je sens surtout ton odeur, mais bon. Ouais, mais bon, c'est un petit pervers, qu'est-ce qu'il veut, là? Alors, que vais-je entendre? Hop là. Ah, à la honte. Je dois entendre quelque chose en particulier. Une voix qui cherche à se faire entendre. Elle a été réduite au silence il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, elle revient. Elle est ici. Un Jedi sans enveloppe physique. Son corps est mort depuis longtemps, mais sa sagesse, son essence, ont survécu. J'ai rencontré un Jedi déchu qui faisait ça, et un Sith dont la volonté a survécu longtemps après sa mort. Il avait le pouvoir de posséder un autre être vivant. Les Sith qui reviennent après la mort sont une aberration, l'expression de la cupidité et de la fierté. Jedi pur le fasse, il a fallu que quelque chose de terrible se passe. L'obscurité consumera tout ce qu'elle touche. Les étoiles brûleront et leurs cendres noires s'abattront sur des mondes sans vie. C'est la fin de tout. Le prisonnier tient l'obscurité à distance depuis 300 ans. Sa force faiblira. Et il connaîtra l'obscurité.
ça ne me dit rien qui va, mais il faut sauver ce prisonnier. T'es sûr? Notre équipe libérera votre ami, quoi qu'il en coûte. Je vous le promets. Le lien faiblit, mon ami. Je vais prendre la suite. Elle m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a révélé l'existence d'une prison impériale dans la nébuleuse Maelstrom instable. Et m'a dit comment y aller. Le seul moyen de se déplacer dans la nébuleuse, c'est en utilisant un ordinateur gris caché dans une forteresse impériale. Nous avons besoin de cet ordinateur pour libérer le prisonnier Jedi. Évidemment, ça aurait été trop facile sinon. C'est ma spécialité. La forteresse que nous devons envahir est sur la planète Taral 5, un territoire ennemi protégé par des vaisseaux de guerre impériaux. Ils sont trop nombreux pour qu'on puisse les affronter. Mais nous avons capturé une navette impériale qui peut leurrer les sentinelles. Elle vous attend dans le vaisseau. Dans ce cas, en route. Vous pourrez me dire le reste pendant le voyage. Il n'y a pas de temps à perdre. Notre flotte se cachera en bordure du système pour que je puisse observer votre mission et vous guider. Si quelque chose se passe mal, nous accourrons à votre secours. Rejoignez la navette, mes amis. Que la force soit avec vous. Mais elle l'est toujours. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux que vous, Maître Nagora. Bon, eh bien, allons prendre cette navette. Et je suis honoré de pouvoir combattre à vos côtés. Beaucoup de choses seront montées à mes oreilles, à votre propos. Ah oui ? C'est-à-dire ? Disons que vous avez beaucoup agi sur Illum, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Ah oui ? C'est-à-dire ? Et vous avez combattu les forces impériales sur Illum, à côté des forces gris. Enfin bon. Ah oui ? C'est-à-dire ? Aïe, 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 aïe. Oui, alors, c'est laquelle d'ailleurs ? C'est celle-là. J'attendais patiemment qu'il passe. Bon ben, on va prendre le mode difficile de la ZL, zone litigieuse. N'est-ce pas, ma chère? Difficile! Oh, difficile! Oui, ça va être très difficile. Tu vas souffrir en tant que tank. Qu'il est gentil, ce droïde. Commencez le mode difficile, surtout. Hein. Tu vas, te connaissant, tu vas prendre la jeune. Oh zut, je me suis trompé! Ok, bon ben on est parti pour faire Taral 5 en mode difficile. Oh, c'est. Oh, j'ai des frissons. Je monte le son. Monte le son! Eh oui. Es-tu prête à faire Taral 5 non. En mode difficile? Eh ben tant pis, trop tard. On y va. j'ai peur. Est-ce vrai? Ils vont tous partir devant moi. Est-ce qu'il est vrai ce mensonge? Je suis une légende. Oui. Personne ne peut me vaincre. Putain, pourvu que je meure pas. Ouais, parce que là, tu serais humilié à mort. Oh, la honte, hein. Et là, on prend la navette. Bertrand Singuet, j'ai peur, moi aussi. Oui. Que va-t-il se passer? Allons-nous mourir dans notre souffrance? Vas-tu mourir dans ta trousse? Mais non, le tank c'est toi. Oh, c'est beau. On s'en va. Au revoir. Peut-être à jamais. Les cinématiques du, des nouvelles ZL sont plus stylées quand même, maintenant. C'est logique. Bah oui. Hein. C'est un petit peu normal quand même. Vous êtes infiltré dans Taral 5 avec succès. Ouais. Les impériaux pensent que vous êtes une navette leur apportant du ravitaillement. Je transmets les coordonnées à un avant-poste de sécurité interne. Ouais. Prenez les commandes et contactez-moi depuis le réseau de la forteresse. D'accord. Voilà, t'as vu? Il y a une navette qui se pose au fond là-bas. Il y en a même plein. Oh là, oui, il y en a plein des navettes.
coup. Alors, ou alors c'est un bug. Attends, non, regarde, il y a pas. Non, mais elle passe là. Ah ouais, je me mets derrière le rocher, du calme. Ah, c'est bon, on me voit pas. Ah ouais, c'est chouette, hein, j'aime bien là. Cette patrouille là comme ça. C'est mignon. Ouais. Vite, dans le ray de lumière. Heureusement que j'avais mon. Que j'étais invisible. Hein. Ouais, heureusement que le feu à côté m'a caché ma silhouette. Avec ton gros popotin, ça t'a caché. Si tu dis gros popotin à moi, après à toi, il va falloir te dire très gros popotin. Ah bah merci. Bon, peut-être se débarrasser des bêtes de la jungle, sinon on va avoir des problèmes. Hein. Ah, t'as con alors. Il a pas l'air content, hein. Ça c'est sûr. Pas content du tout d'ailleurs, hein. Allez, en avant. Oh, il y a des espèces de bêtes qui s'appellent des rampeurs, t'as vu. J'ai pas le temps de voir, hein. Moi je suis attaqué là un petit peu là. Ouais, mais j'ai mal hein. Ah, toi aussi d'ailleurs, t'as mal. Bah oui, un peu quand même, hein, mine de rien. Waouh! Sarah 5 ne manque pas de prédateurs affamés. Et oui, ça. On pouvait s'y attendre, l'Empire en raffole. Vu, hein. Bah, merci Oteg, hein, on a remarqué. Enfin, ouais. Vous pouvez prévenir un petit peu avant quand même, hein. Défenseur de porte ouverte, monsieur. Hein. Ouais, bah, merci. Hein. Bon, alors on a. Patrouille impériale hein devant. Une seconde, parce qu'on a un bonus. J'ai l'envie de prévenir l'avant-poste. Ok, parce qu'il y a marqué vaincre les créatures de la jungle pour le bonus, étape 1. Donc on se fait celui-là, là. Lequel? Juste devant moi, là. Ça m'embête un peu parce que je trouve qu'il te ressemble, donc. Ouais. Encore une histoire de popotin hein. Non, le sien, il est tout fin, regarde. Ah, il est bien quand même, Zenith, hein. Je vois tirer, là, à longue distance, c'est chouette. Ouais. Une patrouille impériale. Mais il faut lui donner bonne leçon, ouais. L'envie de. Enfin, faut lui faire passer l'envie. De donner l'alerte. Alors, attention, là-bas il y a une. Il y a une espèce de station de recherche impériale. Attends, on va. Il y a un éclaireur là qui arrive, on va nous arriver. Ouais. Et on partira en arrière à mon avis, hein. Donc hop, j'envoie Iresso aussi. Mais non, j'aurais pu l'attirer, pourquoi tu fais ça? Parce que j'avais envie. D'accord, merci. Le réseau il prend cher. Hein. Et bah t'avais qu'à pas l'envoyer. Voilà. Voilà. Station de recherche. Viens, on y va ensemble. Oh oui. Tu me prends la main, on y va. Si tu as des créatures qui arrivent à toute vitesse, tu fais exploser le machin. Là, c'est bon. Apparemment, c'est pas créature. Le cas. Où ça oh, regarde, il y a des tuyaux cassés partout par terre. Oh, ils sont vraiment, vraiment négligents. Hein, ouais. Les impériaux. Ça va mettre le feu partout. Oh oh. Bah oui, j'allais le dire. Oula, c'est quoi cette créature là à côté là? Bah, je sais pas, je me cache. Deux créatures. Il y en a une de chaque côté. On peut les éviter si tu veux. Ah non. Ok. Bah quand faut y aller hein. Excellent. Au moins elle reste en bas. Elle reste en bas, elle revient en courant quand même. Ouais mais bon c'est normal. Pourquoi? Bah t'as envie de taper du Jedi hein. Y'a tout à toi d'accord, pas moi. Moi je suis une simple érudite, tellement inoffensive. Oh, c'est pas pantin. Alors, soignons un peu Zenith, on peut pas le soigner d'ailleurs. Il l'a pas tué encore, petit. Il est où Zenith? Il est en bas en fait. Voilà. Il va le laisser mourir? Mais non, je suis en train de le soigner. Oh. T'es sûr? Oui, c'est sûr. Certain. Ouais. Ok. Et pourquoi on en tue pas mal hein, quand même hein. Bah je sais, j'ai vu.
Donc on attaque cela? Bah ouais, je crois. Hein. Super. Ça marche même pas le machin. Par contre, ça tire leur attention, hein. Et hop là. Bon, ça va. On arrive à tenir quand même. Enfin, moi surtout, toi, moi. Petit. Tout petit. Voilà. Attention. Hop là. Ça va, ça va, ça va. Ça peut aller pour l'instant. Les soldats en prennent plein la tête, c'est normal. Ah, ce qu'il faut préciser, c'est que Ena renoue avec son tank, qu'elle n'a pas joué depuis longtemps. Hein, donc. J'ai pas joué depuis longtemps, et il n'est pas super bien. Je récupère un tout petit peu quand même avant. Ah, c'est bon. Donc je le joue peut-être pas forcément bien. Bah, ça, c'est pas grave, du moment que tu prennes les coups, c'est principal. Hein. Ah, j'avais oublié que t'avais le grappin. Bah oui! Je disais tout à l'heure que je pouvais l'attirer. Allez, on va faire tomber cela? Non ou pas? Non, mais on va pas tomber. Non. Ah si, c'est. Ils sont tombés, mais de mort en fait. De mort subite. Aucune pitié. Allez, attaque ce petit truc. Ah, ils sont plusieurs! Les bêtes de la jungle subissent le courroux des Jedi. Et comme dirait l'autre, ils subissent le courroux. Coucou. Coucou, coucou. La 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 la. Ça me laisse sans voix. Ah oui, d'ailleurs. Là, c'est faut y arriver quand même, hein. Ouais. D'ailleurs, tais-toi. Ah, franchement, Ah oui, je sais. T'as fait fort là. Oh, il y en a un autre à côté, t'as vu? Viens me voir. Oui, viens me voir, moi. Je ne sais pas. Va voir Onagora. Après tout, hein, c'est la tank. Hein. Ah oui, mais tu les attires, hein. C'est pas de ma faute. Hein. J'ai déjà dit de prendre un bain. Tu veux pas, hein? Ah non, pas question. Regarde l'eau, il y a de l'eau et tout. Profite. Voilà, regarde le bon bain là. T'as failli oublier les crédits, hein? Alors là. Ouais, non, mais t'es pas resté assez longtemps. Bah oui, mais j'ai pas envie. L'eau, c'est un poison pour moi. Ouais, dommage. Oh, un joli pont. Oh, une jolie bête. La dernière, tiens, la jolie bête. Bête. Par là. Ah bah si t'attaques avant que j'arrive. Ouais mais bon, je me suis dit tu prends trop de coups, peut-être que Ireso prendra ta place. Ouais. J'ai pitié de toi en fait. Oh. T'as pitié de moi. Surtout coupe pas ça au passage. Hein. Au montage. Tiens, y en a une autre là-bas. Ah c'est bon, on a fini les bêtes, maintenant c'est les forces impériales. Ah, oui. 45. Eh ben dis donc. On va faire une autre bête, moi. Ça marche pas leur truc là. Bah si, si ils perdent des points de vie. Ah bah non, ils perdent pas de points de vie. Ou alors on le voit pas, je sais pas. C'est ça qui nous... Ça a quoi qu'ils nous emmettent, ça marche pas. Alors attention là, je vais faire exploser la chose après avoir tiré les mecs là. Allez, venez les gars. Allez, venez, allez, venez. Allez. Moi je regarde, hein. Ok, allez, venez. Voilà. T'as vu? Ah non, quand même. Ils sont tous morts, c'est excellent, non? Ah, c'est beau. La prochaine fois, tu... Oula, attention. Là, c'est boss, là. Et là, ça rigole plus, là. Oh oh. T'as vu, il y a... Oh, 127 000 points de vie, c'est rien du tout. Ouais, mais à côté, il y a deux chiens à 85 000. Donc, alors, tu prends le boss et moi, je fais Ireso sur un des chiens. Et on essaie de taper, d'envoyer nos... nos deux partenaires sur les chiens là, sur le chien avec la cible. Pendant ce temps là, moi je te soigne, tu prends le boss quoi. Bon bah,
souffrons alors. Vas-y. Il a bu hein ce méchant là. Ah la vache. J'ai perdu la moitié de mes points de vie à seul coup. Comment ça se fait? Je ne pourrais point te dire. Je sais, ouais. Ok. Je crois que c'est le boss qui tire, qui fait des tirs terribles. Mais je suis pas sûr. Ah, tiens le coup toi, ça va? C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon là. Je... Bon, je me mets sur le deuxième premier chien. En DPS. Ouais, c'est ça, c'est le boss qui fait du tir à distance. Il est assez bon d'ailleurs. Bah ouais, mais dès qu'il se retourne, je le reprends. Mais... Il a peur pour ses chiens, ça se trouve. Pour le pauvre. Ah ouais, quand il tire, il fait mal. Hein. Allez. Alors, les chiens, le premier est mort, c'est bon. Ah bah c'est bon, cool. Le deuxième. Eh viens là le deuxième. Dis si t'as besoin de vie hein, parce que... Non c'est bon là, je suis à 80... plus de 80%. Et le boss il est à 15%. Ça va. C'est moi qui te tape le chien tout seul, c'est pour ça. Et puis t'as pas les autres qui t'aident, non mais attends. Hein. Mais il est mort le boss hein. Oui. Ah j'ai pas fait attention. Pardon. Bah, tu vois, hein. Et voilà. Joliment joué. Oh là c'est quoi ça? C'est des cuisses, des guêtres de colosse. Pour armure lourde. Armure lourde. C'est pour toi. Ah non, mais non c'est pour Iresso. Bon, je prends pas, hein. Enfin, je fais. J'en ai pas grand parce qu'en fait, Iresso, mon partenaire, est équipé tout en 162. Donc, voilà. Ah oui, forcément, c'est beaucoup mieux. Oh oh! Ah ouais, en effet, ouais. Oh oh, comme tu dis. Bah, c'est bon, on va pouvoir prendre des impériaux sur la gauche. C'est beaucoup mieux que moi. Est-ce que ton zénith il est en 140, même pas, je pense? Bah, ouais, je te dis, je me consacre à ma contrepentière. Bah oui. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Tu rigoles ou quoi, ceux qui viennent hein. Oui, c'est vrai, ouais, comme t'as fait, là, c'est eux qui sont venus. Hein. Allez, hop là. Le commando va prendre plein la tête. Parfait. Pas la peine d'attaquer le gros monstre, à moins que tu veuilles, hein, bien sûr. Non. Alors, pareil, là, il y a une zone. Il y a une espèce de station de recherche impériale. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont popper ou pas? Je sais pas, apparemment non. Donc pour les détruire, pour activer le deuxième bonus en fait, science noire. Ah mais... Ok, bon bah voilà. Je sais pas, pourtant on est en combat, c'est bizarre. D'habitude il y a toujours des petites créatures qui pop qu'il faut détruire grâce à ça, mais bon. Pas ici. Ah, quelque chose qui attaque Iresso. Oui, je te dis, j'ai l'impression qu'on est en... Qu'est-ce qui attaque Iresso? Mais non, il n'y a rien pourtant. Bah non, je vois rien, je vois Titia. Si, si, voilà, il y en a plein. Si, ils arrivent, ils arrivent. Oh là là. Attention. Voilà. J'avais dit qu'il y avait des créatures. Bah oui, mais ils ont mis le temps de venir, hein. Bah ouais, normalement, ils viennent automatiquement, c'était un bug, sans doute. Voilà, voilà, nous passons vers la base impériale. L'infiltration se continue. L'infiltration continue, pardon. Ah, une autre... Alors, est-ce que ça va encore popper des petites créatures? Ouais, non. Parce que là, si, on regarde. Est en combat, on est en combat. On est en combat, donc ils vont venir, mais. Bah, ils viennent pas. C'est un bug, normalement, ils viennent sur la machine et on les explose grâce à ça, en fait. Bah, voilà. Oui, mais écoute, on va les exploser autrement. Ah non, c'est bon, maintenant, on est plus en combat. Ils viennent pas. Ah, ouais, c'est un bug. Bon, bah. Ben... Voilà. Là, il faut qu'on en tue 45, donc. Maintenant ça va aller vite je pense.
regarde d'ailleurs, Iresu, il est en mode tank ou il est en mode DPS? Non, il est en mode DPS, donc c'est bon. C'est pas le mien. Ouais, attention. De sécurité. Je vais arrêter de parler pour que vous puissiez vous concentrer, prendre les commandes et accéder à notre maison. Attends, je vais monter un tout petit peu le son. Voilà, c'est bon. Ok, bon, on est à l'entrée de la base. Il va falloir y aller. Hein. T'es sûr? Je crois bien que oui. Eh ben, allons-y alors! Et ils vont se prendre une petite tripotée, les petits impériaux. Une déculottée façon Unagora et d'herbe. Voilà. J'aurais pu récupérer un peu de matos. Ah bah voilà, tranquille. Je récupère pendant ce temps. Absolument, tranquille Emile. Ah c'est beau. T'as vu ce que j'ai fait. Toutes ces statues, ouais. Je suis trop forte. Trop forte. On nettoie un petit peu autour avant d'attaquer le boss qui est sur la gauche, droite pardon. Oula, j'arrive plus à dire de gauche ou droite moi. Oh là là, c'est la fin de journée hein. Ouais. C'est tout. Mais j'ai pas pu la tirer à moi, c'est bizarre ça. Moi non plus, j'ai pas pu l'assommer. Comment cela se fait? Bah ils sont immunisés à tout ce qui est immobilisation. Mais je m'en fous moi. Pourquoi? Ils ont pas il a pas à l'être. Adieu messieurs les impériaux, adieu. Je lui demande pas son avis, il fait et puis c'est non, tout. Non, reviens. Là, il y a un... Il y a un champ de force qui bloque là-bas, faut le débloquer. Ah oui, mais je voulais nettoyer ce qu'il y a de bois. On peut nettoyer ce qu'il y a ici si tu veux là, ouais. Juste là. On est parti, mes petits geekies. Comme dit Ouragan, aucun. C'est moi. Aucun. Quelle cruelle contrebandière. Eh ouais. Aucun. C'est moi. Bon alors il faut débloquer la... le réseau de sécurité et c'est lui qui le garde. Ah oui. Alors lui, lui il appelle un espèce de créature. Il appelle une espèce de créature gigantesque à côté là. Alors, il faut tuer la créature. Ah, non, il faut tuer le mec avant la créature en fait. Pour éviter que le boss enrage. Ah oui. Enrageons. Voilà, hop là. T'es prêt? Je suis prêt. Je lancerai Iresso sur la créature. Dissecteur, attrape-les mon garçon. Allez. Il fait mal le petit. Donc le mec d'abord, hein, c'est possible. Mais bon. On a vu des Huguenots qui se battaient mieux. Vu un autre niveau, je pense pas, enfin niveau de l'équipement. C'est une insulte là qui me dit ou pas là? Bah ouais. Pourtant c'est mignon hein, Gnote hein. Non, y'a que moi qui te rends. On ne fait pas de prisonniers ici. On va essayer de voir les deux combats en même temps. Ouais. Ouais, il reste au risque bien quand même, hein, ça va. Donnez tout ce que vous avez. Tu vas mourir. Voilà ce que tu vas avoir. Et voilà, on va l'achever le pauvre. Le pauvre? Pourquoi tu dis le pauvre? Oh merde. Je crois que c'était le contraire en fait. Il est devenu fou l'autre, à la peur de son maître. C'est un peu logique. Et je pense qu'en fait il faut tuer les deux en même temps. C'est juste une hypothèse hein. Ah mais d'accord. Donc en fait tu sais pas quoi. Non. Aucune idée en fait. Bah, soit je faisais la ZL à un niveau. Pardon, suis-moi. On va attendre. Désactiver son réseau de sécurité. Écoutons. Pour cela, nous aurons besoin de l'aide des pirates du SIS qui sont à bord de mon vaisseau. Je laisse ce canal de communication ouvert. Bonne chance. Donc oui, je disais, apparemment il faut tuer les deux en même temps, sinon il y en a un des deux qui enrage. Oh, c'est joli ça. Enfin, pour un niveau 50, c'est joli.
C'est plus que Makem en fait, t'as vu? Plein. Bon bah les classiques, je crois qu'il y a des classiques non ou pas? Même pas? Ah si! Ouais! Hop là! Alors je disais soit. Ah bah on va attendre la conversation d'abord. Ouais, voilà. Bon travail, mes amis. Nous avons maintenant accès aux communications de l'Empire. Vous me recevez? Je suis là, j'écoute. Nos clés d'intrusion sont discrètement en train de neutraliser le réseau de sécurité de l'Empire. L'ennemi va avoir une mauvaise surprise. Le temps de la discrétion sera bientôt révolu. Rapprochez-vous discrètement de la forteresse. Mais dès que vous y serez, frappez vite et fort. On va essayer, hein. Combien de temps faudra-t-il aux vaisseaux en orbite pour répondre quand ils auront appris ce qu'il se passe à la forteresse? Les vaisseaux sentinelles ne sont pas prévus pour les attaques terrestres. Ils ne devraient pas vous gêner. Je vous envoie les coordonnées de la forteresse. L'ordinateur gris est étonnamment compact. Vous n'aurez aucun mal à le transporter. Je ne dirai plus rien à partir de maintenant, sauf en cas d'urgence. Terminé. Dis-moi, j'avais pas remarqué, mais t'as pas oublié de te laver le visage? C'est très drôle ça. Très drôle. Ce sont mes tatouages. Ce sont mes tatouages, madame. Des tatouages? Des tatouages de quoi? Des tatouages Biralan, n'est-ce pas? Qui racontent l'histoire de ma famille. Ah oui, c'est. Je raconterai pas mon histoire à une inconnue. D'accord. Surtout une aveugle, je me demande comment t'as pu voir mes tatouages. La force. Ouais. C'est tout? Ah, on en est à 29 sur 45. Ouais, c'est pas fini, hein. Ah bah. Ça pourrait être pire. D'ailleurs, je me demande ce qu'il y a dans le... ici. J'ai pas été voir tout à l'heure. Dans l'entrepôt, là. Quelque chose ou pas? Je me souviens plus. Je sais pas, si tu meurs, c'est qu'il y a quelque chose. Ah oui, il y a du monde. Si tu veux attaquer, il y a du monde, sinon on s'en fout. Voilà. Si t'as envie de te faire encore des apériaux là, on peut. J'arrive. C'est de la pure mesquinerie là. Oui, c'est vraiment de la méchanceté. À l'état pur, ouais. Ça sert à rien de faire exploser des trucs quand il n'y a pas de mec à côté. Oh. Pour le plaisir. Bah ouais, mais attends, j'ai même pas encore touché qu'ils sont déjà morts. Oh, là, c'est du tir au pigeon là. Ah bah oui, là. Au fond là-bas. Oh là, il y a un joli coffre. Oh. Ouais, puis là, il y a un joli. Ah d'accord, c'est une autre sortie en fait. D'accord, ok. Mais là, il y a un joli coffre. Vas-y, je te laisse faire. Ici. Ah moi, d'accord. Bah écoute, ici il y a une station impériale en fait. Voilà. Ils sont tous morts. Les pauvres. Ouais, je explose une station impériale. Bien. Et t'es contente? T'es contente? T'as eu ton coffre? Bah oui. Ouais, c'est bien, nos deux sabres laser sont tous les deux verts. Ah, ils sont jolis, hein. Ils sont tous les miens. Ouais, c'est un double, tiens, c'est normal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un double lame. Ouais. Il coupe et après il cautérise. Zop. Ouais. Double effet qui se coule. Ah, c'est. Ah, ça. Ah. Oh là là, on peut plus rigoler. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends mon speeder, hein. T'es marrant, toi. Pourquoi faire? Ah, chut, écoutons. Ça va. L'homme aux cicatrices brûle tout. Bon rapport. Mm-hmm. Ouais. Ah, bah, l'homme aux cicatrices brûle tout, c'est le grand Moff qui le rame, hein. C'est le moment de déposer les armes. Mm-hmm. C'est méchant, quoi. Ouais. Non, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qui est gentil, qui est méchant dans l'histoire. Après, le reste. Nous sommes les gentils, c'est évident. Bah oui, bah évidemment. D'ailleurs, les gentils. Oh, un gros chat, t'as vu? Je vais caresser, tiens. Regarde. Ah, il veut pas. C'est mon odeur, ça.
Ah oui, il n'a pas voulu pousser de la maîtrise. Alors, t'as vu les dents qu'il a? Oh, j'ai même pas eu mal. Oula, il y a un pont. Avec du monde dessus. Avec beaucoup de monde dessus. Ah là là là. Et ouais, et ben, ils arrivent tous. Tout à l'heure, il n'y aura plus personne. J'attends qu'ils arrivent, les autres, voilà. Et là, hop! Le commando écrasé par un tremblement de terre. C'est bon! Il y a un gros droïde, t'as vu? Ouais! Ouh, c'est profond! Bon. Là. Ouh, c'est profond! Traversons ce pont, ma chère Onagora! T'as vu, il y a du monde! Bah oui, pour toi! Tu vas être contente! Attention de. Sur les... Il y en a qui vont arriver sur les côtés, il y a des espèces de grandes. Et est-ce qu'on peut les faire tomber ceux-là? La bête d'assaut, non, je crois pas, à mon avis. Pas les droïdes en tout cas. Non. Par contre, oui, on peut les faire tomber. Fais attention aux droïdes, ils éjectent. Ils éjectent dans le vide. Bah, c'est un peu trop tard, quoi. Ouais, mais bon, je me suis dit, est-ce que la surprise, tout ça. Ah, d'accord. Donc, j'ai failli mourir, et puis. Pour mon plus grand plaisir, oui. Ouais, ah ouais, d'accord. Sympa, je m'en souviendrai. Comment dire Oui. Méchant. Alors là, il y en a qui arrivent, voilà. Et ça qu'on fait exploser le machin, et voilà. Oh, ça a marché. Pardon. Oh, un site, c'est pour toi, ça. Je le laisse. Ah bon? Il a l'air beau en plus. Tout à fait ton type. Je ne vois pas du tout. Un dominateur, c'est pour toi ça. Oh, enfin, c'est pour Onagora, je parle, pas toi. Onagora, Onagora a besoin de petites tapettes. Et d'accord. Je te signale que Onagora est, comment dire, avec quelqu'un. Voilà, ah bon ? Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Je te le dirai pas. Vas-y, allez, dis-moi. Non, je te dirai pas. C'est top secret, c'est top secret. D'accord. On a dit qu'on ne dirait à personne. Ok. Ah bah t'as marché. Voilà. Et là. T'as vu, à chaque fois il se venge, il m'envoie bouler, hein. Bah bien sûr. Remarque, avec tes formes rondes, pas de problème pour envoyer bouler. Pardon. Tu remarqueras mon silence. Oui, oui. Son silence consterné. Oui, très... Il veut bien dire ce qu'il veut bien dire. Ah oui. C'est-à-dire rien, tu ne trouves pas de réponse, c'est normal. Franchement, rien à dire. Alors, pirater les terminaux, on a tué tellement de monde que maintenant on a une suite au bonus, étape 3. Pirater les terminaux de sécurité. Déjà ? Ouais, ouais. Il reste aussi deux stations de recherche impériale à détruire. Ah, bah, faut les trouver. Ah, tu m'étonnes. Ah merde, ils étaient immunisés. Ah, trop tôt. Ils sont pas immunisés à mon tremblement de terre. Ah, ouais, mais si vous avez t'as fouqué le. Oh, ils font mal. Moi j'ai mal. Oh, ils font mal. Ah, oh, j'ai mal. Vous douillez, va. Non, mais ils font mal du tout, hein. Non, mais t'as dit, hein. Oh là 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 là. Tout le monde a entendu. Tu l'as dit. C'est vrai. Oh, bonjour. Regarde, il y a des gens là. Et pourquoi faire? Bah, je leur dis bonjour. Pourquoi faire? Bonjour. Pourquoi faire? Bah, pour leur dire bonjour. Bah, pourquoi faire? Bah, pour être poli, quoi. Bah, pourquoi faire? Parce que on est des gens de la République, on est poli. Oh, y'a ton Zénith qui prend plein. Oh, bah, il est mort. Non, pas encore. Comment ça? Il a failli mourir, Zénith. Bah, tu te soignes pas, quoi. Bah, j'avais pas vu qu'il était attaqué, donc. Pas vu qu'il était attaqué? Non, tu me le dis pas, donc voilà. Je vais pas savoir. Il y a un bâtiment là. Ouais, bah attends. J'ai attiré qui là? Ah non, c'est toi. D'accord. J'ai même pas pu l'attirer à moi, c'est dégoûtant. Par contre, lui. Il même pas. Il explose tout le monde.
Voilà. Je vais juste explorer le bâtiment à côté, voir ce que c'est. Explore. C'est pas là qu'il y a le boss, c'est pas là qu'il y a le boss bonus, non, c'est bon. Je surveille tes arrières. D'accord, bon, il y a du monde si tu veux. Ah, il y a des trucs à... des stats, des terminales de sécurité. Ah, voilà, ok, parfait. Il y en a un là aussi. Je te laisse faire ceux-là, toi. Ça ira toute seule, là, c'est bon ? Ben. Pas tout à fait, on dirait. Il y a encore un vivant ou ça ? Non, t'as réussi à les avoir, à mon avis. Ouais, attends, tu sais qui tu perds, là ? Une Agora Riggs. Bon, alors ? La tank débutante. C'est bon, j'ai fait la... Bah j'ai fait la console, la terminale. Par là il y a quoi? Bah il y a la sortie à l'arrière en fait. Voilà. Il y a peut-être un fer par là. On va voir. Par contre il y a des droïdes. Si tu veux récupérer des choses, c'est le moment. C'est bon. Ouais. Ah ils sont deux. Et ils t'ont vu. Ils sont pas contents. Ah oui. Voilà. Voilà, il y a Zenith qui va mourir aussi. Il en peut plus, le pauvre. Ça veut dire qu'il est pas tellement bien équipé. Ah, je l'ai. Voilà. Il y a du travail à faire dessus encore. Exactement. Je vais laisser ramasser l'autre droïde, je vais voir ce qu'il y a là. Ah, parce qu'en plus il faut que je fasse les... Ouais, c'est derrière du bâtiment, c'est ça. On va pouvoir passer par là. Ben, je vais ramasser le droïde qui est là, tiens. Voilà. Au boulot, Iresso. Ah ouais, attends une seconde, hein, on va attendre. Ah. On me parle. Oh, dans le sang, c'est beau. Moi, je t'attends en bas. Hein. En bas où ça hein? Bah, ici. Devant le bâtiment, là. Tu me laisses seul? Oh, j'ai peur! J'ai peur, au secours! Fous-toi de moi, en plus. Non, j'oserais pas. Hop! Franchement. Mais Allez, et un con. Un pirate. Pardon. Un terminal piraté. Il y a du monde. Mais il me fait mal. Pas trop non plus, hein, n'exagérons pas. Peut-être pas non plus. Voilà. Et un autre terminal. Il y en a plein ici, là, je crois. Ouais. Il y a un truc en haut aussi. Y'a du monde là? Ah ouais. Ouais, pas la peine le pauvre, il était en jaune. Hein. J'ai pas vu, putain. Fallait pas être là, puis c'est tout. Bah voilà, ouais. Tu sais, dans la foulée, tu sais, on se dit, bon bah. C'est des méchants quoi. Bah oui, j'ai pas fait attention, et puis bah, d'un coup, bah voilà quoi. Eux, c'est des méchants. Mais eux, oh. Mais ou quoi? J'arrive pas à déclencher mon pouvoir. Hein. Oh, c'est dommage. Gros boudin les doigts, hein, vraiment. Il mène où l'ascenseur, là? Bah, va voir. Hein. C'est ce que je fais. Oh, oh. Trois dominateurs sites en haut. Oh, sans blague. Ouais, bah, je vais peut-être attendre, moi. Oh. Allez, l'ascenseur, monte, monte. Ils sont pas très réactifs, les sites, hein. Non, je suis devant leur nez, là. Ouais, mais bon, t'es invisible, donc... Mais coucou, 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 et rien. Bon bah, kaboum. Ils sont gros, hein. Ouais, kaboum. Kaboum, kaboum. Ça va faire mal, je le sens, là. Pas pourquoi. Bah, trois d'un coup, hein, quand même. On a peut-être vu un peu fort. Oh non, ça va aller, je pense. Allez, hop là.
interrompu. Ah. Oh, il m'a fait mal, hein. Ah bah, ils sont morts. Les pauvres. Protéger quoi exactement? On sait pas. Bah, bah non. Il méditait. Il pour... En fait, il pensait avoir trouvé un coin tranquille pour méditer et boum. Moi je dis que ils sont cachés en sachant que t'étais là et ils méditaient pas, ils médisaient surtout. ouais. Je ne comprends pas ta phrase. Bon, ben pour l'instant, il nous manque encore des terminaux. Ouais. Alors. Ok, bon, bah, un pégame monté, hein. Bah, oui, ma foi. Les terminaux sur les passerelles, hein. Je peux monter sur ton dos, non? Bah, non, je supporterai pas le poids. Hein. Allons-y. Coucou, c'est nous. Ah, je m'attendais à ce que le machin il marche, mon mari. Enfin, le machin, vous m'avez tous compris, quoi. C'est-à-dire? Bah, le. Je comprends pas. Enfin, ça là! Le machin là, quoi! Ah là! La, canon, tour, la tourelle! La tourelle, bon, c'est pareil. Ouais, j'envoyerai ça sur le gros. Dans le gros de quoi? Bah, ici, il y a un gros site. Ah, je peux pas faire mon boulot de temps, quoi. Ouais, t'as raison, j'ai laissé faire. Alors, au début, tu dis oui, Nagora, tank, machin chose, on compte sur toi, machin chose, et puis résultat. Oh bah, j'ai envoyé raison. Ah bah, d'accord. Vas-y, je te laisse faire. Oh, le pauvre, il est mort. Oh, c'est vrai? C'est pas moi, le pauvre. Ah mince. Dommage. Bon, pendant ce temps-là, pendant que tu tankes, moi, hop, je pirate les terminaux. Voilà. Moi, tu seras utile à quelque chose. Encore une fois, hein. Non, il manque un. Il manque trois. Ah, trois. On peut voir en haut, je pense. Ah, sinon, tu feras demi-tour, hein. Alors, attends, il y en a sur la gauche, je crois. Viens avec moi, j'ai peur tout seul. J'ai peur, il y a des lignes impériaux partout. Et alors? Mais ils sont méchants. Ouais. Bah non, moi je. Vas-y, ouais. Oh la vengeance basse, c'est mesquine. Chacun son tour. C'est vraiment mesquin. Vraiment mesquin, là, vraiment. Je suis déçu. Ah bon? Oh, je suis assez fier de moi. Ouais. Il est là en haut, je crois, le dernier. Oui, bah tu fais, hein, c'est bien, c'est joli, c'est... Et un coffre! Oh, il y a un gros coffre! C'est même pas vrai. Si, en plus, c'est vrai. C'est vrai? Bah, regarde. Oh, ah, cool! Ah bah d'accord. Oh bah c'est malin, ça. Bah ouais. Tu fais un coup de main, peut-être. Oh non, regarde, en plus, il y arrive toute seule, comme une grande. Pas moi, c'est Iresso, hein. Ah bah oui, parce que toi... T'as vidé le coffre? T'as vidé le coffre? Non, oh, je crois pas. J'aurais pas osé, hein. Bon, on a fait... Non, il nous en manque un. Ah oui, exact. Bah, t'es qu'il y en a un là. On va voir. Il y a une station et... Ah bah non, il y a une station seulement. Mince alors. Oh, mais il en manque un. On le trouvera plus tard, c'est pas grave. On a eu les consoles déjà. Ouais, mais c'est bizarre. Non, c'est bon, t'inquiète pas, il y en a plus tard. Non, mais c'est bizarre. Saute par la barrière. Bah, tu veux que je saute là? Bah oui. Oh, j'ai peur. Et maintenant, tu vas pouvoir faire ton boulot de tank. Ah bon? Ah bah voilà. Maintenant, j'ai plus envie. Parce qu'il y a un boss, j'ai plus envie. Bah oui, attends. Moi, je tank que quand c'est des petites choses, pas des grosses. Bah oui, bien sûr. Moi, je me mets en haut, moi. Allez, feu à volonté. Ouh là, ça sent le...
Ça sent la bête. Il est accompagné là, hein. Il est pas tout seul. Oh oh. Allez hop là. C'est sur moi qu'il se concentre, hein. Les bêtes. Ah oui, c'est. Je comprends pas pourquoi. Moi non plus. Et en fait, je mourrai dans la transsouffrance, hein. Ah bah non. Pas tout à fait. Voilà, faut bien que tu travailles quand même un petit peu. Bah ouais. Hop là. Mais c'est des grosses en plus celle-là. Ah bah j'ai senti, hein, pour la peine. Mais t'as le truc là pour les faire éclater, t'avais qu'à l'utiliser. Mais je fais ce que je peux, oh. Je sais même pas où elles sont d'ailleurs. Bah là. Ah t'as eu le boss. Et puis t'as eu le boss en plus. Bah oui. Bon alors, tu finis ou pas là? Attends, c'est toi le tank, hein. Bah attends. Allez messieurs, au revoir. C'est marrant de voir les créatures appliquées sur moi, quoi. Bon, allez. Qu'est-ce que je gagne? Des distinctions et des poignées de chancellerie prototype. De race distinction classique, hein, précise. Hein, ah oui, c'est classique, hein, on est en 50 difficile, on n'est pas en 55 difficile. Ah zut, voilà ce que j'aurais dû prendre, c'était l'hebdo sur le... Ah oui, il y a une hebdo, c'est vrai. Il y a une hebdo sur les 50 difficiles. Ouais, j'ai oublié là. Est-ce que je l'ai, moi? Si je l'ai, je la partage. Non, je l'ai pas, je crois pas. Non. Désolé. Voilà. Bon bah on va continuer alors. Par où on passe? Par le haut, c'est parti. Ah la vache! Ah oui, ça fait mal hein. J'ai jamais sauté aussi haut. J'ai réussi mon saut, dis donc. Ah ouais, pour une fois? Pour une fois, j'ai réussi mon saut. C'est rare, c'est assez rare pour être signalé. Et voilà. Il t'a envoyé une signature thermique. Marrant ça. On appelle du bon travail. Bon, continuons. Voyons un peu où on en est. Que je montre ma valeur à tous. Que je vais mourir bientôt. Dans la trotte sous propre. D'innommable. Diablerie. Bon alors, il est où le machin qui nous manque hein? Il est derrière, je pense. Ah, il est là. Vas-y. On va vérifier aux alentours s'il y a personne. Non, c'est bon. Tout va bien. Surveille bien, hein. Ah oui, j'aurais pas qu'il arrive. J'aurais pas qu'il arrive quelque chose à tes petites fesses. Hein. Et parce que... Arrête avec mes fesses, RF1. Enfin, tes grosses fesses, pardon, excuse-moi. Grosses ou petites, tu arrêtes. C'est ce que je veux d'abord. Oh c'est non. Moi, c'est moi chef d'expédition donc. Ah bon, c'est quoi? Bah, depuis que Oteg a dit c'est vous. Je l'ai pas entendu le dire hein. Non, j'ai pas entendu hein. Ouais bah je suis sûr que les spectateurs ils ont entendu, tu vas voir. Et qu'ils nous regardent et vont dire oui Derd a raison. Oui c'est ça, bah bien sûr. On peut les éviter ceux-là si tu veux, pas obligatoire. Hein. Ah bah oui, bah bon, je suis là. Le bien et le mal périront tous deux par le feu. Ah oui. Le bien et le mal périront tous deux par le feu, disons, on est vachement optimiste, ouais, hein. Elle a une façon de parler un peu bizarre, quand même. Hein. On peut dire qu'elle est morte, hein. Et... Ah oui, voilà. Elle a l'esprit un peu chamboulé. Ben voilà, oui, c'est... Mais je suis morte, c'est horrible. Ils vont tous mourir avec moi comme ça, voilà. Non. On a un boss bonus au fond là-bas. Oh oui, un boss bonus. T'aimes bien les boss bonus toi? Non, c'est le bonus que j'aime bien. D'accord. Attention de pas faire éjecter quand même. Ah bah voilà. Et la kaboom. Voilà, bien. Pour les sauts, les blessés qui me dit. Moi aussi d'ailleurs. On s'en fout un peu quand même. Hop là.
bien. Oh, c'est beau. On a réussi. Nous sommes des pros déchets. C'était pas le boss bonus là. Mais bah attends, je suis bien quand même. Je suis pas non plus. Nenuche, tu peux le dire. Bah non, quand même, faut pas non plus exagérer. Franchement, il était trop facile. Hein. C'était pas le boss bonus, c'est sûr. Ouais, dommage. Hein. Attends une seconde, on récupère un peu quand même avant. On va faire exploser ah le. Ah ouais, c'est lui, monsieur. Ah ouais, 200 000 points de vue. Oh, ça ah. va, ça devrait se faire. Les doigts dans le nez. Attention quand même, hein, il a des éclairs qui sont assez balèzes. Je te laisse te faire. Allez. Donc, comme bien sûr, on peut pas l'arrêter. Bah non. Trop bien, faut passer. Je vais quand même rentrer dans la pièce parce que. On sait jamais s'il te fait mal. Bah, j'aimerais bien autant que tu m'aides un petit peu, quoi. Je sais pas. Je vais voir. Il n'a pas l'air d'attaquer. Il ressource ici, il attaque. Ah ouais d'accord, c'est là qu'il faut faire attention. Voilà, parce qu'il est il fait son attaque en air d'effet juste là. Non, je parlais de Zenith, j'avais l'impression qu'il attaquait en fait. Ah Zenith, il attaquait. Ah, c'est marrant, s'il recule, ah, c'est drôle, tu verras sur la vidéo. Il recule, c'est trop drôle. Il a peur ou quoi? Non, 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 c'est pas ça, c'est Iresso et Zenith, ils reculent tous les deux en fait. Bon, c'est là qu'il faut s'enfuir, voilà. Non, s'ils se mettent en arrière, ils repartent à l'endroit où ils étaient partis. Ouais, bande de lâches. Attends, plein milieu toi en fait, toi. C'est génial. Ouais, moi je suis pas peur. Ouais. T'as tourné à toi. Du courage, hein. J'ai pas peur. Putain, il m'a fait des 6600 quand même de dégâts, hein. Bah, allez. Il est revenu. Oh non. Mais pourquoi il est revenu? Ah, aucune idée. Oh, c'est un pas bug vrai. Bah, sans doute. Ah, mais là, il m'a vu, hein. Ah, moi ah aussi. Non, c'est toi qui t'as vu. Voilà. Alors, on va le bouger un peu comme ça. Est-ce que je suis au milieu? Salut, pas. Non, je pense que c'est à cause des autres qui en sont ressortis là. Bon bah, un bug alors. Hein. Oh la Zenith, il prend cher. Je vais le ramener à l'intérieur, Zenith. Rien à toi. C'est ça qui a dû le faire rebugger en fait. Ah ouais. On l'avait presque fini en plus. Bah ouais. Non, il était même mort normalement. Hein. Ah oui, c'est ça, j'ai pas compris. C'est pas grave, ça fera un bug de plus intéressant. Oh, enfin bon, j'espère que le bug il va pas se faire trop souvent quand même. Bah, j'espère aussi, hein. Ça va, il a 40%, ça devrait aller, je pense. Oui, on le descend assez vite, c'est pas le problème, mais. Eh ben, il fait mal quand même le petit. Non, ça va. Bah si, c'est pas mal, c'est marrant. Ah, il fait quand même du 6000, hein. C'est pas un petit, hein. Ah, c'est quand même un boss bonus, c'est un peu logique. Faut mériter le bonus. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Faut mériter le bonus. Ah, cette fois-ci c'est bon, il est mort. Pas bugué, cool. Oh là, c'est quoi ça? On a donné un autre truc, des nouveaux trucs qu'on gagne, t'as vu? Regarde les belles. Oh, ah oui, c'est pour la forteresse. Ouais, en fait. C'est pour les forteresses et les vaisseaux. Bon oh, bah, t'as fait quoi toi? Avidité. D'accord, bon bah, avidité. Non, on fait en bonus si tu fais en besoin, si tu as envie de. Non, c'est bon, moi je l'ai eu. Et okay. Les bottes, hein? Elles sont comment les bottes? Ah, elles sont pas mal les bottes, hein? Bon, maintenant le vrai boss. Ah bah moi j'ai tout reçu. C'est parfait. Eh ouais. Il y en a qui sont vraiment. Je suis tank hein. Ah. Bon. Bah, il y en a qui ont le cul pour des nouilles. Ouais, voilà. Bah, t'as dit tout à l'heure que j'avais un. Gros cul, oui. Eh ouais.
Et donc, c'est normal. Voilà. Ton personnage a un gros cul, toi, je sais pas. Nous parlons bien que de mon personnage aussi. Alors. Bon bah je te brise. 231 940. T'es le tank, t'es la tank, alors je te prie. Je t'en prie après toi. Que par hasard. Là, quand ça t'arrange. Attaque les intrus. Ah, ok. Arme principale débrouillée. Ah, bah il s'est retourné à nouveau contre. Et par ici. Contre ISO, c'est normal. Allez. Attention aux zones d'effet, hein. Apparemment non sensible. Ah, s'il en a, bien sûr. Hein. J'en souviens plus. On va voir, hein. Ah oui, oui, il a des zones d'effet, ouais. Il a des grosses zones d'effet rouges, c'est des frappes orbitales, en fait. Déploiement. Hop, interrompu. Voilà. Ah, bah oui. Hein. Bien que tu travailles un petit peu quand même. Mais Oh, Coco, tu reviens là. Attention, dans la zone d'effet. Ah, Zenith a pris un sacré coup. Aïe. Arme secondaire chargée. Déploiement. C'est quoi son histoire d'arme secondaire chargée? Je sais pas. Apparemment non sensible. Ouais. Non sensible, bah oui. Non sensible. Bah oui. Ah, c'est pour moi ça. C'est bon, c'est bon. Arme secondaire chargée. Déploiement. Souffle puissance, raté mon ami. Bon allez, c'est fini. Au revoir. Oh, j'adore quand il est tombé. Ouais. Ah, carrément là, là il tombe comme une grosse merde. Ah oui, là. Ah, c'est pas mal ça pour. Bah oui, mais bon, là je suis. Bah non, voilà. Oh, c'est encore moi qui gagne. Oh, c'est fou. Je suis en tout en 168 moi donc. Ah oui, forcément. T'es en 168 bah, oh la vache. Sauf le sabre que t'es en 156 toujours. Enfin, le sabre, les modifications, sophistications sont en 168. La poignée, bien sûr, évidemment. Mais je crois que... Alors, oreillette, oreillette 168, 156, 156 pour les implants. Ah ouais. Ouais, j'ai du boulot à faire. Hein. Bah ouais. Mais bon, on peut pas être partout en même temps. Ouais. Vous, au pas de ma porte, la France a toujours été de mon côté. Vous avez fait une grande impression à la galaxie depuis notre dernière rencontre. Félicitations. Malheureusement, vos victoires s'arrêtent ici. Ma flotte s'apprête à bombarder votre position depuis son orbite. Ouais. On se connaît? C'est de la folie, Kilran. Les frappes aveugles atteignent rarement leur cible. Je compenserai le manque de précision par la quantité. Ça m'a réussi sur Coruscant. Ça a été un plaisir de vous revoir. Mais cette fois, vous ne vous échapperez pas. Mm-hmm. Moi je le salue pas. Bah ouais, Oups, oula. En fait, on l'a connu sur. Sur les CLS. Ouh. C'est. Ça. Ici Otek. Plus de partout. Ouais. J'ai entendu cette transmission. Ma flotte se prépare à intercepter le bombardement. Je ferai de mon mieux pour occuper le grand Moff, mais vous devez faire vite. Trouvez l'ordinateur gris et sortez de là. Marrant lui. On va faire ce qu'on peut hein. Il se mouille pas trop hein quand même hein, attends. Bah oui mais il est en orbite avec ses vaisseaux. Ah bah oui bah il se mouille pas, c'est bien ce que je dis. Mais oui. Ah regarde. De quoi? On va faire une petite réparation si on veut. Et voilà. Tiens bah je vais lui vendre des trucs aussi. Bof, non, il n'y a pas grand chose à vendre. On verra ça plus tard. Alors. Pas le moment. Qui est-il par ici? Y a rien de particulièrement intéressant. Si, à part un monsieur. Allez, on se fait y aller, faut y aller. Tu mets la bulle au droïde. Réparation. Oh, c'est ce que je fais d'abord. Ah là, c'est trop marrant. Ah
Un droïde de réparation. Bah, dans le pauvre, c'est bien protégé contre les impériaux. Ouais, bah tu ferais mieux de me protéger moi. Bah je t'ai protégé normalement. Droïde de voilà. Réparation. Je t'ai protégé. Bon, alors apparemment il y a un officier important à Vaincre. Oui, bah nous allons le trouver. Les hein, scientifiques, on les épargne quand même, hein, parce que bon. Bah. On n'est pas. On n'est pas au Reagan, hein. C'est pas la peine de les détruire, on a tout détruit déjà. Non, bonus. Et alors, pour le plaisir. Déjouer la console des armes expérimentales. Elle est où? Bah voilà. Allez, bah elle est au fond là-bas, elle est au fond, elle est au fond. Elle est au fond, elle est au fond. Ah mince, je suis arrivé trop tard. Ou trop tôt. T'es arrivé quoi? Voilà. Oh, un droïde. On peut pas l'attraper, tu peux pas l'attraper, c'est dommage. Ah, pourquoi on peut pas l'attraper? C'est chiant. Ouais, hé, hey, cette fois c'est moi aussi, je suis passé. Allez, à l'épée. Hop là. J'utilise tellement rarement mon épée que. Enfin, mon sabre laser. Hey, t'es caché lui, t'as vu? Non, j'ai pas eu le temps de voir là. Je suis en pleine attaque moi. Moi. Enfin, qui ben, voilà, chose. Alors, voyons, nous avons là un site dominateur encore. À mon avis, il y a des tourelles, non? Non, non, ouais. Ça va. Ah. Par contre, il y a des gens cachés derrière lui. Faire attention. Non, je croyais qu'il y avait un truc bizarre. Non, apparemment non. Allez, j'envoie. Voilà. Oh, ça fait mal, ça. Hein. Ah bah oui. Ouais, bon. C'est Iresso qui prend tout, en fait. Hein. C'est bizarre. C'est lui qui prend l'aggro. Ah, pourtant... Pourtant, il a... oui, mais il a pas de... Normalement, il a pas de truc. Il a pas de sort d'aggro, puisqu'en fait, il est en DPS, là. Alors, voyons. Passer sur la droite. Si on veut. Sans attirer le droïde à côté. À toi de voir. Il y a plein de trucs bizarres ici. Faudrait un jour, faudrait explorer. Surtout, il y a des coffres en haut là. Coffre, coffre. Où ça, où ça? Si ça se trouve, il y a des coffres en haut. Tu peux aller voir si tu veux. En... Tu peux aller voir en, okay. En furtivité. Tu montes et puis tu vois ce qu'il y a. En haut. Yeah. À première vue, il n'y a rien, donc c'est vide. Si, bah en fait, il y a une station de recherche. Ah d'accord, donc en fait, si jamais on n'avait pas assez de station de recherche, on ouais, peut le faire voilà. Ici aussi. On peut faire... Ok, je lance attaque. Tu lances attaque, mais attends-moi. Non, je prends pour un tank, là. Malin. Ah, bah il est mort, d'accord. On va. Il y a des gens qui arrivent à notre rencontre, je crois. On sent... Ah oui. Ils vont pas faire long feu, à mon avis. Et en plus, il essayait de se soigner. Non, mais attends, je rêve. Non, il y a que moi qui soigne ici. Ah oui, et encore. C'est ouais, bien fait. Attends, qu'est-ce qu'il y a au fond? Ah bah c'est là qu'on doit passer. Ah, je suis bête. Allez, hop là. Et là, on attend que les mecs arrivent. Et on fait... Kaboum! Voilà. Ils sont fragiles, ces gens. Hein. Ouais. Franchement, petite nature. Hein. Alors ici, nous avons quelques créatures. Enfin, quelques ennemis. Ouais, ouais. Ah bah si, faut les tuer, hein, y a pas à tortiller. Mais pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit chez les Jedi. Coucou, c'est moi. Alors, il y a des sites quand même. Hein. Pas que je veux t'effrayer, mais bon. Tu sais qu'on est en train de faire, on est en train de faire les ZL sans les buffs. Hein. Enfin moi en tout cas. Ah bah là. Ah non, toi aussi d'ailleurs, t'as pas de buff. Bah ça fait plus d'une heure qu'on est dessus, donc je pense que...
Alors buff. Ah bah voilà, c'est mieux d'un seul coup. On a plus de points de vie. Ah, 32 968, eh, je suis pas si mal que ça quand même. 35 516, ça va aussi. Oui, oui, bon, moi je suis pas en... je sais pas combien là. 168. Hein. Je suis qu'en 156. Voilà. Bah, c'est mieux que rien. Hein. C'est même trop pour faire une difficile, hein, normalement. Bah, écoute, je vais pas me plaindre. Hein. Ouais, c'est sûr. Faut pas se plaindre, jamais se plaindre. Alors, on passe à gauche. On passe directement au milieu. Y'a personne qui surveille. J'ai peur. Oh, j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Bah, je sais pas. Ah, d'accord, t'as une peur irraisonnée. Bah, écoute, voilà. Fallait dire quelque chose. Ah, d'accord. Ah, je vois. Donc, parler pour ne rien dire, c'est ton habitude. Voilà. Ah là 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 là. C'était l'idée de c'était meublé. Je crois qu'on va se faire éjecter là. Pourquoi? Mais... même pas, c'est beau. Et voilà l'entrée. Pourquoi ils veulent pas nous laisser rentrer? Je sais pas. Bah, c'est ici, hein. C'est pas par là. Ah oui, je sais. Je bah, regarde dans la... tu veux faire... bah... tu veux y aller en discrétion ou tu veux y aller en force? Alors. Ah, ils sont chiants avec les éclairs. Hein. Est-ce que je leur fais des éclairs, moi? Bah non, mais tu leur fais des trucs de... tu sais, tu leur envoies des cailloux. Donc, cailloux contre éclair. Qui gagne contre cailloux contre éclair? Bah, les cailloux. Ah bon? Ah bah oui, ils résistent aux éclairs. Pas sûr, hein. Bah, je lui donne des mal de crâne, moi. Enfin, des migraines. J'ai dit des mal de crâne alors que c'est des maux de crâne. Oh là là là. Oh là là, quelle faute! Ouais, impardonnable. Ah ouais, non, là franchement, c'est quoi ça? Bah, c'est le boss, la fin. Ouais. C'est le général Edgar. Alors, normalement, la stratégie voudrait qu'on se cache ici. On déclenche le truc pour pas avoir les tourelles sur nous, en fait. Quand. Tu vois pas, on l'avait fait avec un autre joueur. Ah oui, mais comment on fait là? Bah, on va faire à l'ancienne, on va voir si ça marche. Toi tu tankes le boss, moi j'ai essayé de faire les tourelles une par une. Il va appeler des droïdes. Mm-hmm. Et on va essayer de sauver les apparences. Bon oh bah j'active la console. Ouais. J'ai peur. Ah ça fait éclater les tourelles. Alors deux en moins. Bah ouais, c'est bizarre ça ce soir. Plein, hein. Allez, bah c'est non. Parti. Tenez bon pour l'empereur. C'est marrant, ça, les consoles qui explosent, c'est marrant. Enfin, les tourelles qui explosent, c'est marrant. C'est ça drôle, moi. Zénith, ouais, quand même. Et aussi RSO d'ailleurs, wesh. Et moi aussi d'ailleurs, non mais oh, ouais. Oui, bah tout le monde, quoi. Oh. Ah voilà, les tourelles en moins déjà, c'est pas mal. Plan d'attaque Sigma, exécution. Ouais, voilà les droïdes, alors attention. On regarde un petit peu si on résiste. Ouais, ça va, pour l'instant. Ouais, non. Ça devrait aller là, normalement. Je ne perdrai pas cette base. Je vous tuerai de mes propres mains s'il le faut. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Bon, allez, je me mets une petite protection. Je me mets une petite protection là, ce que j'ai derrière moi. Ouais. La protection, merci. Bah oui, c'est toi la protection en fait. Et là, je touche tout le monde normalement, voilà. C'est mon champ de bataille, vermine. Vous ne attends. Le quitterez que dans un sac. Ah ouais, en fait ils sont cumulatifs les ânes. C'est marrant ça. C'est ça drôle en fait. En fait tu trouves ça marrant, explique-moi là, j'ai... Voilà, et là, je vais exploser la machine là.
Alors c'est marrant parce qu'en fait ils visent que moi les mecs hein. Oh oh. Voilà. Vous allez mourir ou quoi là? Elle a tué le boss. Faire tomber les murs. Et moi je me tasse les ads tout seul, comme un grand. Non, regarde, je viens t'aider parce que je suis pas capable de débrouiller tout seul. Hein. Ah, t'es vilaine. Voilà, je gagne quoi? Ah, ils sont pas encore tous morts, bah, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que tu fous? Tu traînes, c'est pas possible ça. Je me plaindrai à mettre au tag. Tag ouais, jeté. Allez, qu'est-ce que je gagne? Tiens, encore Des stations scientifiques, bon, je fais avidité. Hein. Ouais. Pas mal pour celui-là. Mais bon, je sais plus, malheureusement. Voilà. L'alliage, il y a besoin aussi pour la. Oh, t'as fait besoin sur l'alliage? Bah oui, pour donner à la flotte, hein. Enfin pour donner à la guilde. Mm-hmm. Ah, c'est toi qui l'as reçu. Et tu sais que pour faire certaines constructions pour le. Ah, c'est pour la forteresse, je crois, ou, non, ouais. Ou c'est pour le vaisseau, t'as besoin de l'alliage. Excellent. Et moi j'ai gagné quoi moi? Eh hey, t'as aussi gagné le bouclier, t'as tout gagné quoi? Non, pas bouclier. Si? Ah si, je l'ai gagné, ouais, t'as raison. Bon, j'ai rien quoi. Ouais, allez, parlons au docteur Narem. Car nous avons gagné le droit de lui prendre l'ordinateur gris. Ah ouais, on est quand même venu pour ça, hein? Bah oui. Hein? Boucher de la République! Vous avez envahi un monde impérial souverain! Massacrer des dizaines d'innocents. Et pourquoi? Pour nous voler nos recherches? Ce bâtiment a une mission de paix. On cartographie la nébuleuse Maelstrom pour le bien de tous. Donnez-nous la technologie dont vous vous servez pour parcourir la nébuleuse et on ne vous fera aucun mal. Comme au personnel que vous avez épargné, je ne suis pas bête. Quand le reste de la galaxie apprendra cette attaque gratuite, les méfaits de la République seront enfin étalés au grand jour. Vos noms seront associés à la campagne d'extermination que votre gouvernement mène à notre encontre. Aïe. Ça fait mal? Aïe, t'as vu, il veut mener mon nom. Mais ton nom n'a rien à voir. Nous sommes les gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie. Mais il n'y a pas de paix sans justice. Votre empire oppresse, asservit et assassine tous ceux qui ne se soumettent pas. Ça ne peut pas continuer. On n'a jamais fait que se défendre. C'est vous qui nous oppressez. Oh bah d'accord. Vous condamnez les centaines de vaisseaux scientifiques civils qui explorent la nébuleuse Maelstrom. Le rayonnement électromagnétique modifie en permanence les voies de navigation sûres. Si l'ordinateur gris ne transmet plus de coordonnées précises à un moment donné, des milliers de gens bien, des scientifiques innocents, seront coincés ici à jamais. Ah oui, quand même. Innocent, je suis pas sûr, moi. Hein. Moi, je leur donne une chance. Hein. Moi aussi, rappelez vos civils et puis après, la je récupère. Ne laisse pas mourir les civils. Transmettez de nouvelles coordonnées à vos vaisseaux scientifiques et ordonnez-leur de rentrer chez eux. Ensuite, l'ordinateur sera à nous. Mais nos recherches, toutes ces explorations dangereuses n'auront servi à rien sans une carte complète. Mais je ne parle que toujours bien. Transmission des coordonnées. L'ordinateur est à vous. J'espère qu'il se cassera dès que vous essaierez d'utiliser. Comment il est, lui? Eh ouais. Tu vois, t'es trop gentil. Ouais. Ah oui, C'est à toi qui va le... Ah, fais attention, hein, le lâche pas. On en a besoin. Tu me connais. Ma flotte subit de lourdes pertes et les défenses de la forteresse faiblissent. Le temps presse. Apportez l'ordinateur à la baie d'arrimage de la forteresse. Vous pourrez partir dans un de leurs vaisseaux. Nous nous retrouverons dans l'espace de la République. Allez-y. Merci. Et voilà. Politesse, hein. Les remerciements, on en a pas eu beaucoup non plus. Hein. Bah, on en aura, t'inquiète pas. Bon, pour l'instant, faut retourner sur la flotte. Bon. Donc, activons la balise de détresse et revenons sur la flotte, oui. Pour rejoindre Maître Oteg. Eh bah, dis donc, ça s'est bien débrouillé quand même. Oh, je suis même pas morte. Incroyable. Ah ouais, on n'est pas mort, une seule fois. Incroyable. Bah, je pense que c'est parce que mon soin est absolument extraordinaire, hein, magnifique, glorieux. Oui. Disons que bon, tu as un tanking honorable, voilà. Ouais.
Et puis Iresso nous a sauvé la vie à plusieurs reprises, au moins. Bon, ça ira là. Et Zenith a tiré dans les têtes assez bien, je trouve. Hein, voilà. Bon, bah, je propose qu'on fasse la discussion avec Maître Oteg la prochaine fois. D'accord. La suite, en tout cas. En tout cas, on peut monter, hein, on peut monter l'ascenseur. Hein. Montons. On va se retrouver devant la salle de Maître Oteg. Et on va dire au revoir à tout le monde devant. J'espère que tout le monde a aimé la petite vidéo, petite histoire. Bah non, t'es pas mort. Bah ouais. Donc merci à tous de nous avoir suivi. Le kangourou, en tout cas la sauterelle kangourou. Et, ouais, merci. La tank aux grosses fesses. Voilà. Bah, c'est vrai qu'en fait. Bah, c'est pour ça que tu résistes bien, t'as des grosses fesses. C'est normal. Elles sont parfaites. Mais... Elles sont bien rembourrées, ouais, ça, tu vois. Et puis là, les gens ils tapent dessus elles et ça passe pas. Elles sont parfaites. Voilà. D'accord. Ok. Bonsoir tout le monde. Attends, voyons un petit peu quand même. Ah ouais, parfaite. Bon. Hein. Je suis plus grande que toi. Ouais, non, c'est pas possible. Ah, des répétants. Ah, c'est pas possible, attends, je regarde. Ah non. Non, ouais. Pareil. Oh, c'est ta coiffe qui donne un centimètre de plus, quoi. Allez. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais. Ouais. C'est bien ce que je disais. quand on regarde de dos, on dirait. Tout à l'heure, je te sens, on avait l'impression que j'étais plus grande que toi. Bon, voilà. De toute façon, je suis plus grande en esprit. Personne. Et tout et voilà, tout. Ça n'intéresse personne ce que tu dis. Ça n'intéresse personne et on dit au revoir. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt.